Peace my gueule, sur Monique, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça super, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et ce nouveau commentaire sur la chaîne de la Obscure Clan. Et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau slide disponible depuis un petit moment sur Black Ops 3. Le nom de ce slide se fait appeler le Swap Slide, qui est vraiment très cheaté et pas très compliqué à réaliser. Un grand merci à Dixpeg d'avoir pris le temps d'essayer de réaliser ce slide et d'y avoir réussi. Oui, le gameplay en fond est très répétitif, mais c'est pour que vous compreniez bien ce slide et d'essayer d'interpréter vous-même comment le réaliser. Le slide vous permet tout simplement de gagner une seconde face à l'ennemi qui sera en duel avec vous, et pour certains vous vous dites qu'une seconde c'est pas grand chose, mais je peux vous dire que quand vous êtes pile en duel avec un ennemi, ça peut vous sauver à 95% la vie. Bon, je vais aller directement au fait. Pour réaliser ce slide, il vous suffit tout simplement de glisser en maintenant rond, hein. Voilà le slide basique de Black Ops 3, et juste à la fin vous appuyez deux fois assez rapidement sur triangle et votre personnage va se lever très rapidement. Oui, c'est très facile, il faut juste adopter le bon timing, et quand vous aurez pris l'habitude, ça ira vraiment tout seul. Donc un petit récap, normal slide vers la fin, deux fois triangle et hop, le swap slide est réalisé. J'ai également une petite news à vous faire passer, mais un journal anglais aurait officialisé la sortie de Ghost 2, donc ce n'est pas encore confirmé par Activision. Je ne sais pas si voilà, ça va nous plaire, et si ça va plaire à beaucoup de personnes, cette info là, mais peut-être que Ghost 2 sera énorme ou encore pire que le premier, car pour moi Ghost est le pire de tous les Call of Duty. J'espère qu'il y aura plus de jetpack, mais ça m'étonnerait assez beaucoup, car voilà, on peut pas passer d'un jetpack à voilà un jeu normal comme sur BO2, sur tous les anciens Call of Duty avant AW. Ça, c'est vrai que ça fait un peu chier, mais bon voilà, on verra bien par la suite, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Donc voilà, dites en commentaire si mon commentaire vous aura plu. Félicitez Dixpay d'avoir tout simplement réussi, d'avoir tenté le nouveau slide, donc nommé le Swap Slide. J'espère que vous arriverez à réaliser ce new slide très rapidement, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Peace.